On se retrouve pour le deuxième jour officiel à Montréal. Ce matin, il est debout 6h, toujours un peu jetlagué, mais ça va. Direction une auto pour pouvoir faire notre nouveau permis et nous acheter une voiture. Voici la voiture de location. Et voici ma voiture. Là voici la petite merveille, en plus il y a le soleil, on est arrivé à destination, elle est jusqu'à nous. Et avec Kayla, on était en train de faire quoi madame Kayla? De mettre les roues devant voilà. Les escaliers. Ce sont les pneus neige, ils étaient offerts avec la voiture, donc on va les monter dans la maison avant de repartir. On vient de rentrer de toute notre session paperasse qui a échoué malheureusement parce que nous n'avons pas de carte de crédit québécoise, mais on va retourner immatriculer la petite voiture. On va, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a un peu de vent, ça fait du bien parce qu'il fait hyper lourd. Et là on est en train de manger notre petit goûter sur le devant de la maison. J'ai mis les chaises de jardin qui étaient dans la cuisine et on mange petit muffin au bleuet. Au bleuet. Et toi qui es là? Je mange un sandwich au fromage. Des bonbons. Ouais, et après tu vas manger quoi? Un petit gâteau. Il y a un autre Canada. T'as vu maman? Voici la marque des muffins. C'était là à notre arrivée. En fait, on avait un petit panier d'accueil. Je sais même plus si je vous l'ai dit dans mon premier vlog ou pas. Je suis perdue. Il y avait en tout cas des bons muffins comme ça. Du pain, on avait aussi des petites nectarines ou des petites pêches, je sais pas trop, et des pommes avec du jus. Enfin, vraiment, un petit accueil sympa avec nos clés de maison, donc parfait. Ça, c'était par ma commission scolaire. En tout cas, ces bleuets, ils sont vraiment très bons. Ces muffins plutôt, au bleuet, je vais y arriver. Je vous retrouve dans la cuisine, vous m'entendrez peut-être un petit peu mieux. Dehors, c'est soleil, après, il fait froid, c'est bizarre, mais on va pas se plaindre, il fait quand même bon. Et oui, ce fut une journée intensive. En route, en voiture, on a fait je pense 4 heures de route parce qu'on est parti chercher notre voiture ce matin. Il y avait à peu près 45 minutes de route. On est revenu, après on est reparti à peu près au même endroit pour faire les papiers, etc. Mais ça n'a pas fonctionné. On a dû revenir et là, logiquement, on nous installe Internet. Youpi, j'ai enfin pouvoir finir mes montages et les mettre en ligne. On va y arriver.
Du coup, on n'a pas pu aller chercher canapé, etc. Donc, je pense que demain, on a rendez-vous avec ma société qui nous a accueillis, là, liée à ma commission scolaire, donc pour finaliser nos papiers pour la banque, etc., québécoise. Donc, on va y aller aussi demain. On a pas mal de choses à faire. Mais espérons qu'on ait le temps de finaliser nos derniers achats. Il nous manque canapé, micro-ondes, grille-pain, parce que moi, j'aime beaucoup le pain avec grillé au grille-pain. Qu'est-ce qui nous manque ? Aspirateur, parce que là, ça commence à être compliqué. Bon, voilà, quelques petits basiques comme ça, quand même un peu essentiels pour débuter dans cette maison. Et j'ai pas accès à un marketplace, parce que je sais que tout le monde me parle de marketplace et tout ça. J'ai pas accès, ça ne marche pas, parce que mon téléphone est encore localisé en France. J'ai changé la localisation, mais ça marche pas encore. Je suis désolée, des fois, je regarde en bas. Mais du coup, j'arrive pas à envoyer des messages aux gens quand je vois des super annonces. Donc ça, c'est galère. Et je sais qu'il y a le site Kijiji, mais j'ai pas encore. Faut que je m'inscrive, etc. J'ai attendu d'avoir internet pour pouvoir faire tout ça. Donc peut-être que ce soir ce sera chose faite. On va y arriver. Ce matin, direction. On va où, les enfants ? Montréal. On a rendez-vous avec la société qui nous a accueillis. On va prendre le métro, pas très loin de chez nous. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be. On vient rentrer à la maison. En fait, on avait un petit rendez-vous avec ma commission scolaire, en fait, qui m'embauche. Avaient embauché, eux, une sorte de société qui accueillait les nouveaux expatriés, comme ça, etc. Et donc, c'était une sorte de petite réunion d'accueil. Il y avait d'autres expatriés comme moi, français. Bon, c'était très sympa. Et on pouvait faire quelques papiers. Donc, on a fait le fameux papier de la RAMQ, qui équivaut à la Sécurité sociale ici, en ligne avec eux. Et on devait aussi voir la banque avec eux, spéciale enseignant. Mais on n'a pas pu, nous, on a dû rentrer parce que chérie avait un entretien. Donc, on croise les doigts pour chérie, hein, tous ensemble. Et en tout cas, il a fallu rentrer. Donc, on fera nos papiers avec la banque un petit peu plus tard. Et là, on est de retour à la maison. J'aime trop ma baie vitrée, là. Elle est canon, je vous montre. Regardez-moi cette fenêtre-là. C'est même pas une baie vitrée, je vous dis n'importe quoi. C'est une grande fenêtre avec la vue sur mon petit quartier. C'est trop canon. Et évidemment, mon salon, hein, je ne vous ai pas montré encore ma maison, mais mon salon est complètement vide. Hein. Voilà, voilà, hein, je vous montre juste le salon comme ça rapidement. Et on a nos valises. Hier, j'ai goûté à ça. Si vous passez au Canada, il faut goûter absolument ça. C'est pareil, la commission scolaire là, qui nous a déposé ça dans notre frigo quand on est arrivé. C'est des yaourts grecs, en fait, au sirop d'érable. C'est méga bon. Bon, mes enfants, ils n'ont pas envie de goûter. Hein. Ils préfèrent leur petit bâtonnet, là. Mais je vous jure, si vous passez dans le coin, testez. C'est trop bon, c'est trop intriguant. Je vous retrouve le soir assez claqué. Hein. Cet après-midi, ça a été sieste. On a été au jeu d'eau avec les enfants. Et après, là, on vient de commander pizza. On va se faire un petit film et pizza. Ça va nous faire du bien de rester posé un petit peu. Et demain, c'est le week-end. Du coup, je pense que je vais vous reprendre dans la suite d'un nouveau vlog. Le week-end, où ça va être vraiment emménagement. Il est absolument nécessaire que nous trouvions un canapé, parce que là, on mange par terre. Et qu'on trouve... voilà, là, un canapé, c'est l'urgence. Un canapé, si possible. Ouais, je crois que je vous ai déjà fait la liste. J'ai l'impression de me répéter, j'en suis désolée. Parfois, ça va être peut-être un peu décousu. Je fais de mon mieux. En tout cas, là, je suis passée chercher un aspirateur chez ma copine Jennifer. Donc, c'est une copine du lycée que j'ai retrouvé ici et qui m'a aidé dans la procédure d'immigration. Et du coup, bon, c'est parfait. Donc là, je suis dans la chambre de ma fille. Ce week-end, il va falloir qu'on monte le lit que Jennifer nous a prêté, justement. Notre container arrive jeudi. Donc, je vous filmerai tout ça.
Mais là, ma mission, c'est... Ah oui, demain, il faut qu'on aille chercher aussi un meuble que j'ai réussi à commander sur Marketplace, parce qu'en fait, j'avais pas accès à Marketplace jusque-là, mais j'ai dû désinstaller, réinstaller l'application. Avant ça, j'ai localisé mon téléphone ici à Montréal pour que ça puisse marcher, tout ça. C'est tout un truc, hein. Mais ça marche. Donc, j'ai trouvé aussi la coiffeuse de mes rêves, que je n'aurais jamais pu avoir en France d'ailleurs, parce que je pense que c'est un site américain. Donc bref, je vous montrerai ça dans la suite des vlogs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager vous aussi vos expériences, si vous êtes expatrié ou pas, si vous avez déjà visité un peu le Canada. Évidemment, je vous montrerai un petit peu plus de Montréal dans les prochains vlogs, hein. Là, je ne peux pas tout faire, je suis vraiment dans une démarche de papier là pour l'instant, pour être au clair par rapport à nos papiers et dans une démarche d'aménagement, hein. Mais ça ne va pas être parfait, mais ce n'est pas grave. C'est une nouvelle aventure. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Salut! Bye.